Hey, c'est Val. Là, je suis au Népal et je vais vous raconter une histoire. Il y a encore 2 mois, j'ignorais totalement que j'allais vivre une aventure si impressionnante. Par un heureux hasard, un ami m'a appris qu'un centre socioculturel recherchait un vidéaste pour participer à une mission humanitaire avec 12 jeunes motivés. Et voilà que quelques semaines après, je m'envole pour le Népal pour 2 semaines d'aventure. Et c'est dans le petit village de Mohami, à 10 heures de route à l'ouest de la capitale, que nous avons réalisé ce projet. Nous avons été placés dans des familles du village par petits groupes de 2 ou 3 pour rendre notre aventure encore plus immersive. Et bien qu'ils n'avaient encore jamais rencontré d'étrangers, ils nous ont quand même accueillis dans leur famille comme si nous étions leurs enfants. Les principales actions ont donc été la création d'une arrivée d'eau potable entre une source et le village situé à 1800 mètres de distance, la réalisation de fresques peintes avec les élèves à partir de leurs propres dessins sur les murs de l'école, et une sensibilisation des villageois et des enfants à la préservation de l'environnement. On ramasse les déchets. On ramasse les déchets. Ouais, ouais. Check. Nous avons également distribué 150 kg de dons aux 200 élèves de l'école, ainsi qu'un lot de médicaments aux dispensaires du village, puis dans un temple dédié aux personnes âgées. Mais au-delà de ces travaux humanitaires, c'est une réelle immersion dans leur culture que nous avons partagée pendant ces 10 jours avec eux. Des liens forts ont été créés, et ce que nous avons vu, vécu et ressenti ne pourra jamais être entièrement exprimé. Mais voilà ce que j'ai pu capturer de cette aventure dépaysante.